Bonjour la Haute-Vienne. Pour ce quatrième numéro de Made in 87, je vous amène à Aix-sur-Vienne, dans l'atelier de Cubic, qui fabrique ses petites boucles d'oreilles en origami. Allez, c'est parti! Bonjour, Sabine Marie, je suis le visage derrière Cubic. Je crée des objets en origami, notamment des mobiles, des grues, des cartes, des boucles d'oreilles et plein d'autres créations. Mon dada, c'est la grue. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai été séduite par une tradition japonaise qui veut, quand on fabrique 1000 grues, notre vœu est réalisé. Et notamment par l'histoire d'une petite fille qui avait été irradiée pendant Hiroshima et qui n'a pas pu fabriquer ses 1000 grues et qui est devenue du coup un symbole de paix en travers le monde. Et du coup, voilà, la grue est symbole de paix aujourd'hui. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a émue petite et j'ai jamais arrêté d'en fabriquer. Pour fabriquer une paire de boucles d'oreilles, du coup, je choisis d'abord mon papier. C'est un papier qui est fabriqué au Népal, qui est issu du commerce équitable et qui est très résistant, qui a une texture proche du tissu, que j'aime beaucoup travailler, qui a de belles sérigraphies. Et du coup qui qualitativement est, je trouve, adapté à des boucles d'oreilles qui résistent bien. Donc d'abord je découpe mon papier juste à l'aide d'un cutter et d'une règle, et après je plie ma grue, que pas le pliage le plus évident, mais que maintenant j'ai appris à faire très rapidement. Et après je monte sur une monture en argent, pour éviter tout risque d'allergie. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver mes produits sur mon site internet ou dans des dépôts-ventes sur Limoges, sur Aix, à Limoges notamment, à la Savonnière, rue Haute-Vienne. Et voilà, j'espère que mes créations vous plairont. Merci.